Bonjour, mon cher Alexandre. Bonjour. Comment allez-vous? C'est joli ce que vous avez là, c'est pour moi? Ah non, c'est pas pour vous. Ah. Ah, je vous présente Lajoie, notre régisseur. Ravi de vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bouquet pour Madame Sévry. Mais vous foutez de moi, le papier est dégueulasse. Allez me faire un vrai bouquet. Dites-moi, cher ami. Séverine est au courant que je suis son partenaire? Oui, bien sûr. Elle était ravie. Ah oui? Tant mieux. Allez donc lui dire bonjour. Je ne demande pas mieux, moi, où est sa loge? Ah, voilà. Ah, merci. Entrez! C'est vrai. Amore! Alessandro! Ah. My darling, my love! Oh, comme je suis content de te voir! Divinamente belle! Et tu, vecchia puttana, ma cosa hai fatto per conservarti così bene? Je suis contente de travailler avec toi. Et moi. Tu te rappelles? Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu à Hollywood? C'est toi, Shada. Jamais prononce une date, jamais un chiffre. Autrement, je dis à tout le monde que tu as fait la plastique. Oui, pas encore, mais bien. Tu sais que pour toi, seulement pour toi, je serais capable de me remettre à faire la cuisine. Ouais. Mais tu ricordes, mes risottos alla milanese, comme tu piaceva. Tu l'aimais beaucoup, hein? Eh ben, justement, je ne les aime plus. Cosa? Mais non, la gueule, je mangerai des risottos à la milanaise. Amour, on va travailler ensemble aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille avec Alphonse. Et moi, je vais à l'aéroport. On se voit demain. Bien, chérie, ciao. Oh, che simpatico, tu non sais comme simpatico questo homme adorable. J'ai joué avec lui il y a... Oh, mamma mia, come passe il tempo. Il y a 20 ans à Hollywood. On était là-bas en même temps. Tu sais qu'Alexandre était un grand séducteur. Vraiment? Mais oui! À Hollywood, on l'appelait The Continental Lover. Ah, je l'aimais beaucoup aussi moi-même. Est-ce qu'il est marié? Moi, je ne sais pas maintenant. Il était marié deux fois divorcé. Peut-être qu'il vivait avec quelqu'un maintenant, mais on ne sait plus rien de lui. Il est tellement secret, tu sais. Il porte moustache dans le film. Ah. Moi, je l'aime mieux avec les moustaches. Et vous? Moustache ou pas moustache. Il joue toujours le rôle de séducteur. Et moi, regarde-moi. On m'a collé l'étiquette de la femme délaissée, désespérée, tragique, emmerdant. Regarde. Mais vous êtes belle. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Aide-moi à répéter la scène d'aujourd'hui. Je ne me le rappelle plus. Je ne sais pas pourquoi. Ces derniers temps, ma mémoire est allée se faire foutre.